Laissez jouer le scorpion, troisième épisode sur Oninaki. Et on débute ça tout de suite. Salut Kagashi! Non seulement tu arrives en retard, mais tu es accompagné d'une fille. Tu es un vilain garçon. Oh, que tu es froid. Tu brises mon petit cœur. J'ai envie de pleurer. Bouhouhou. Arrête donc de jacasser, Zael. Tu me donnes mal à la tête. Chut, ça commence. Tout le monde est là. Bon, j'irai droit au but. Jigari est mort. C'était un grand homme. Un grand homme. Aimé de tous, beaucoup d'entre vous lui doivent certainement aussi beaucoup. Il était un modèle pour chacun de nous. C'était le gardien idéal. Mais il n'est pas simplement mort, il est mort avec des regrets. Il n'a pas bougé d'un pouce depuis son décès. Kagashi, Mayola, je veux que vous partiez avec Hitoha. Tous les autres, vous restez ici et vous vous consacrez à la prière. Vous pouvez y aller. Désolé, mais je peux m'occuper de cela seul. Je n'ai pas besoin que vous me colliez au basque. Mais... membre de la famille, amoureux, ami, votre devoir envers un déchu est le même. L'envoyer de l'autre côté en gardant le sourire. Père... ignore ce qu'elle a dit. Vas-y, ils sont Thomas et Kashkiro. Soyez prudents là-bas. Et Kagashi, prends soin de Hitoha. Alors, un voyage rapide. Carte du monde. Nouveau lieu, le marécage Kido. C'est parti. Alors, une petite sauvegarde. Plein de soc. C'est quoi le problème? Désolé, je pensais juste à Hitoha. Restez vigilant, vous mourrez affectueusement. Vous mourrez affreusement. Je sais, mais j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Tu peux être plus précise? Ce n'est rien, oublie ce que j'ai dit. Oh, ça en va, plus de vie. Et une nouvelle pierre d'épée. Et une nouvelle arme. Démon, possède d'équipement. Alors, j'avais eu ça, affinité initiale, puis là, je peux pas mettre Ichifuro Futofuri. 22, 34. Et on va changer, 34. J'avais aussi une autre arme pour lui. Vitalité. Qu'est-ce qui m'envoie le message?
Ouhou, ça fait mal ça. Un voleur de vue. Champignon ça. Oh non, poison. Voici quelques debuffs qui peuvent activer négativement de votre personnage. Poison, dégâts sur le temps, confusion, alter les commandes, paralysie, ralentit la mobilité, étourdissement, action bloquée. Les debuffs disparaissent avec le temps, les résistances aux debuffs réduisent le risque d'être affecté. Ah, il faut que je fasse attention. Merde. Hop là, on l'active. La limite de voile. Alors. Oh, un nouveau démon. L'âme du démon Dia résonne en Kakashi, il devient son gardien, et il devient son gardien. Alors, Dia, l'allure de ce démon est gracieuse et raffinée. Dia fait toujours passer ses compagnons d'abord. Elle garde de vieux souvenirs d'errance dans l'obscurité et d'une faible lumière dansant dans la paume d'une main. Armée d'une arbalète et d'un pistolet, Dia lance de multiples attaques ciblées de loin. Elle est capable de bondir pour gagner de la distance tout en maintenant son assaut. Lorsque tu obtiens un nouveau démon, tu peux le personnaliser sur une stèle via le menu groupe. Ah ouais, l'impression il est pas mis dans... La bénédiction de l'inné. Ah, une stèle, parfait. Groupe. Ici. Dia. Univers démoniaque, j'en ai pas. Oui, je rapide, non. Sauvegarder, on va en profiter. Je suis presque niveau 8. Ouch! J'étais dans la limite. Vous n'avez rien vu.
Alors, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, pas ça non plus. Voilà, mettre la carte en plus grand, c'est ce que je voulais faire. Donc ça, c'est vers le début. Au cas où il n'y aurait pas un coffre. Ah ouais, on va dire. Donc non, il n'y a pas de coffre. Donc elle a fait des sauts aussi. Non, pas encore. Je ne veux pas mourir. Il y a encore tellement de choses que je voulais faire. Je sais. Mais tu ne peux pas penser ainsi, tu ne dois pas. Mais, sanglote. Ah, c'est vous? Alors, vous êtes venu finalement? Merci. Je suis sûr que tout ira bien pour lui, il a juste besoin de temps. Nous comprenons et nous ne sommes pas pressés. Prenez autant de temps qu'il vous faudra. Merci. J'ai une requête à vous faire tous les deux. Qu'y a-t-il? Allez, cherchez les fleurs! Ah, non. Il y a quelques aguerris dans le loin d'ici, pouvez-vous vous en occuper pour moi? Je ne veux pas le quitter. Bien sûr, nous nous en chargeons. Merci. Ah. Youh. Oh. Oups. Alors, le champignon. Piou. Oh oh oh, j'aligne les trois. Youf.
Non. Manifestation, piou 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 piou. Bon, je vais arrêter de faire des piou piou là. De vue, il arrête pas d'apparaître là. Ouch. Oh, on voit beaucoup de dégâts là. Plein de champignons partout. Météore. Balayage. Ok, donc là ça fait juste popper des monstres cette affaire là. Est-ce que ça donne de l'XP au moins? Ah, ça a l'air que non. Oups. Des petits dégâts par-ci par-là.
Alors, compétence éveillée. Lorsque tu utilises une compétence, elle a une chance de s'éveiller, ce qui déclenche une variété d'effets possibles, suivant choisis aléatoirement. Ces effets peuvent renverser l'issue de la bataille, alors utilise-les bien. Alors, météore s'éveille, explosion d'affinité. Intéressant. Ah. Oui, t'es résistante à faire là. Hop là. Pfiou. Je suis empoisonné. Bah, je sais toujours pas à quoi elles servent les pierres universelles. Peut-être liées à l'alchimie là. Bientôt niveau 9. Et niveau 9, et un assassin géant comme sombre roche. Il n'y a personne ici. Où sont les essais égarés? Il n'y a pas une âme en vue. Ouais, vous voulez gagner du temps, retournons-y. Fichez le camp, Itoha va s'échapper. Nous la perdrons si nous gaspillons tous les deux notre temps ici. Vas-y, je te rattraperai quand j'en aurai fini. D'accord. Oh Dieu, c'est énorme. Et... Il va falloir y aller à distance. Et... Prends ça. Non. Ça que je voulais faire.
Putain, ça a de la vie cette affaire là. Non, attends, c'est un poison. Ça me poursuit la tornade. Alors c'est une deuxième. Elle va tomber. Ya yeah. Ouf. Je sais pas ce qui passerait si je change de... Je traverse le voile. Non! Merci, il est né. Oh! Nouvelle attaque. Ah non. Faut vraiment que je fasse attention, je n'ai plus de potions. Non. Alors, une compétence éveillée, ça prend un nouvel éveil. Sélectionner des bons, puis arbre de compétence, choisir la compétence éveillée et activer le pouvoir de l'éveil. Ok. Dio, compétence. Donc, cette compétence-là, c'est éveillé. Alors, les éveils, tu obtiendras peut-être que tu obtiens peuvent être affectés à tes compétences. Tu peux même acquérir plus d'éveils en continuant d'utiliser la même compétence. Donc. Là j'ai affinité, ok tu peux en équiper 4, oh, c'est cool. Bon le souvenir de Dio, oui. Donc là je peux pas débloquer les skills là parce qu'il faut débloquer le souvenir. Ouais l'option d'attaque planée, ouais. Lance une salle de tir à tête chercheuse, ouais pas pire ça. Non c'est ça. Activer le verrouillage, rester appuyé sur L pour viser en utilisant une compétence verrouille ou 3 différents bonus. Ouais ok on va prendre ça. Quoi d'autre? Les compétences activées une fois manifestées. Les compétences qui atteignent les ennemis verrouillés augmentent l'affinité. Augmente la puissance d'attaque planée, c'est ça. Ok, non, on va rester dans cet arbre là. Constellation, lance une salle de tir à tête chercheuse. Rang 2. Voilà, peut-être que ce sera un peu mieux. 52 d'attaque. Vas-tu charger? Ouais. Et là, les critiques. Non, je skivais.
charger. Ah ah. Non. Non. Hello. Ah. Réessayez. Donc là la question est, est-ce que... Non, tout ce que j'ai donné ça sert à rien. Ça commence bien. Maudit sous cette tornade là, je peux rien faire pendant ce temps-là. Non, ça sert à rien ça. Merci pour le soin, Linné. Ah, ça, ça fait mal. Censé tomber sur le dos là, quoi. Ah, peut-être mal visé. Ah, c'est quand elle charge. Allez, allez. Je suis coincé là ou quoi là? Allez. Réveille. Ah, raté. Ah, pis.
ça m'a pas touché. Go, 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 go. Pourquoi ça fait moins de dégâts qu'au début? J'arrive pas à l'esquiver cette affaire là. Oh là 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 là! Oh là. Eh bien toi, viens là, viens là, vas-y, fais ta charge. Bon, c'était pas facile ce boss là. Bon, on va revenir. Voilà, on est soigné. Alors elle s'est enfuie. Ouf, c'est un soulagement. J'avais peur qu'on la retrouve morte. Pourtant, c'est pire que ce que nous le pensions. Je n'ai jamais entendu dire qu'un vivant s'était enfui avec un mort. Suivons sa piste, elle n'a pas pu aller bien loin. Entendu, j'espère que nous pourrons la rattraper avant que cela ne dégénère. Ouais.
Bon, c'est pas l'idéal. Encore une stèle. Tiens, on va quand même. Ouais, les compétences. Donc, ici, on va mettre affinité comme tout à l'heure. J'avais pris ça. Et ça. Puis il me reste encore un point. Ah, ça, ça va augmenter le rang à 2. Ah non, pas encore. Retire-toi pendant que ton démon attaque. Ses chances de vacillement, verrouillage impossible. Ah. Et comment ça active les gens? Ça, voilà. Rang 2. Et il me reste encore un. Bon, on va remettre ça pareil. Compétence, constellation, et ici, et affinité aussi. Et j'ai 4 points à mettre. Augmente la puissance des attaques de saut. Tu peux changer la direction d'une attaque de saut laser. Ah, c'est cool ça. Alors après, il y avait quoi? Réduire la durée sans des debuffs lors de guérison. Coup critique augmente l'affinité. Et ça, c'est effectuer une attaque avec la lance élevée de coup critique derrière le mur de lance qui maintient les ennemis à distance en dépit des coups. Le mur subit des dégâts lorsque manifesté. Manque la puissance quand dans le groupe. Hélice, un peu écrasé, passe la défense. Ouais, nouvelle compétence. Annule délai après un chargement. Ouais. Ouh, rang 3. Et tu es un peu plus facile lorsque tu fasses attaquer de face. Hein? Oh. Et souvenir 2. Ok, ça j'ai pas. J'ai plus de points. Compétence. Iris. Et toi, t'as pas. Ah, j'ai 8 points. Moi je la fitte. Ouais, ça c'est quand même bien. Rang 3. Alors, les attaques comme sont puissantes, quand tu attaques la base, ouais, on va mettre ça. Recule, déclenche une onde de choc avec ton démon. Oui. Ça, c'est souvenir 2, donc on va prendre ça. Ça, univers démoniaque. Ouh, rang 4. Et puis, moins que la vitesse de déplacement ne s'applique à ce que manifesté. Ouais. Plus son vitesse est élevée, plus le soin est augmenté. Ça s'applique toujours lorsqu'il est dans le groupe. Après la formation, ça fait toujours lorsque je suis dans le groupe. Les croix s'activer. Montre l'affinité lorsque je suis vaincu. Ouais, allez. Et une
Nouvelle compétence. Univers démoniaque. Souvenir de Aïcha. ある時、大国の王子との縁談が持ち上がった。その話に国中が沸き立った。両親の喜びようはひときわ見苦しいものだった。ただ、そのことには感謝した。その様が私を決意させたのだから。 私は隣国の王子と手を取り、生まれ育った国を捨て逃げた。幸福を夢見ながら、置き去りにしてきた全てに不安を感じながら、気持ちと戦いながら、私たちは逃げた。遠くへ、遠くへ。しかし無駄だった。私たちの自由はすぐに終わりを迎えた。 追って前にした私たちは最後の約束を交わした。どこでだっていい。迷いとになっても構わない。ずっと一緒にいられるのなら死さえ厭わない。私たちは笑顔で自らの命を絶った。 Ok, puis celui de Dia. Hizokuna mono. Chichiwa, ijizoku no ningen inai o sonna fuu ni yondeita. Watakushi wa chichi no koto ga suki dewa nakatta. Ototo ga umarete sugu. 母が亡くなったあの日も葬儀にさえ現れなかった父。父が大切にしていたのは高貴な一族の繁栄、ただそれだけだった。父の周りはいつも不可思議な笑みを浮かべる大人たちであふれていて居心地が悪かった。必死に高貴な一族の一員であろうとした。 しかし、私の中にはそれを否定し、愚か者の一族と北斎むもう一人の自分が住んでいた。心はいつも引き裂かれそうになっていた。それでも一族や父を否定することに抗い、望まれる子供でいられるよう私は努めた。 Intéressant. Alors, toi, j'ai ramassé plein d'armes. Attaque, compétence. Hop. Je pense pas en avoir récupéré pour les autres, non. Et une petite sauvegarde. Ce niveau, ce genre d'arène. Ça a l'air. Oh, on va avoir de vue. Ah.
attaque est plus rapide que le tout début du jeu en tout cas. On apprend ça. Chirurgien. Nouvelle arme pour Dia. Et une nouvelle lance. Oups. Oh, niveau 10. Tu as un chemin là-bas? Non. Hitoha. Ah, je pensais que vous me suivriez. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Tout est de ma faute. Kagashi, Mayura, je suis vraiment désolé pour tout ça. Tu peux l'être. Hitoha. Qu'aurais-tu fait si nous n'étions pas venus? Hé, hé. Bosse les épaules. Quoi? En effet. Je ne sais pas trop moi-même. Itoha, envoyons-le de l'autre côté ensemble. Je ne peux pas faire ça. Que? Quoi? J'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas. J'ai juré d'être avec lui dans la vie et dans la mort. Ça suffit, Itoha. Chigali ne pourra pas traverser si tu continues de parler comme ça. Détends-toi, je resterai à ses côtés. Alors, je vous en prie. Non. S'il vous plaît. Non, je ne le ferai pas. S'il vous plaît, j'ai pris ma décision. Je ne veux pas. Je ne peux pas revenir. Je vais le faire. Non, Kagashi, non. Non. Il n'est pas trop tard si nous agissons maintenant. Pardon, je me comporte de façon égoïste, je sais. Impensable pour une gardienne, hein. Attends, non. C'est parce que je suis une gardienne que je ne peux pas croire que nous nous retrouverons dans notre vie. C'est pour ça que je veux voir cela jusqu'au bout. C'est pourquoi je veux voir cela jusqu'au bout maintenant tant que nous avons encore un lien. Je ne veux pas mourir parce que je crois que nous serons ensemble. Je ne veux pas mourir parce que je crois que nous serons ensemble dans l'autre vie. Je veux mourir parce que je ne peux pas vivre sans lui dans celle-ci. Je suis désolé. Mais je n'ai pas aucun regret. Vivez votre vie comme vous semble et affrontez la vérité de vos propres yeux.
Pourquoi tu fais ça? Les prières aux morts n'auraient-elles pas suffi? Nos vies ne sont faites des liens que nous tissons avec les uns avec les autres. Les liens ne sont pas assez fragiles pour être rompus uniquement par la prière. Tu dois avoir oublié cela lorsque tu as perdu ton humanité. Il doit y avoir quelque chose de bien plus compliqué derrière cette histoire-là. Comme vous le savez sûrement, beaucoup moins d'enfants naissent sur nos terres que par le passé. La réincarnation est la pierre angulaire de notre société. La situation est donc très grave. Il est concevable qu'un culte malveillant répande une fausse idéologie allant à l'encontre de nos préceptes de base, tout comme l'a fait l'Arche. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une répression de ceux qui expriment les idées hérétiques. Il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour rassurer le peuple et soutenir la souveraine. Gardez cela à l'esprit chaque instant. Que ça? Chier. Je dois aller au lac Lude seul. Quelle plaie! Est-ce que c'est vraiment obligé? Soupir. Le royaume et ses habitants gémissent sous le poids de nos idéaux. Père, le peuple peut t'entendre. Parle moins fort. Parlez moins fort, vous deux. Ne vous prenez pas, je ne critique pas les préceptes. Il est stupide de s'attendre à ce que les gens accueillent la mort avec reconnaissance car ils ne savent pas ce qui s'y passe après avoir traversé le voile. Parfois, tout semble si inutile, si froid. C'est beaucoup demander aux gens qui font de leur mieux pour vivre la vie qu'ils ont reçue. Continuez. Vous trois, je voudrais discuter avec vous. J'ai une mission pour vous. Je veux que vous arrêtiez le boucher. Le boucher? Un tueur brutal, déjà lié à 3 morts. Aucun lien entre les victimes à part le lieu. Le tueur semble bien manier les pieds. Je veux que vous vous sépariez tous les trois et que vous fouillez les ruelles. Vous trouverez peut-être des égarés encore cachés. Bien, avant toute chose, cherchons les égarés. Mayura et moi allons jeter un œil autour du palais. Kagashi, tu vas parcourir la zone autour des portes. Oh, hey Kagashi. Léo est venu vous parler, non? Toi, Kushi et Mayura. Alors, de quoi avez-vous parlé? Non. Ça te plaît, hein, de perdre ton temps à te mêler des affaires des autres? Je vois toujours aussi piquant, le Kagashi classique. Ah, pas vrai. On dirait que je t'ai froissé, alors je vais y aller avant que tu t'énerves sur moi. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour ce 3e épisode sur Oninaki. Donc abonnez-vous si vous voulez suivre le let's play et mes autres vidéos de ma chaîne. Le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.